À la une de l'actualité. L'Iseron à sec, la rivière subit de plein fouet la sécheresse qui sévit dans le Rhône. Par endroit, il n'y a plus une seule goutte d'eau dans le lit de l'Iseron. Au grand dam des pêcheurs, notre reportage à suivre. Les 30 km/h à Lyon sont-ils vraiment respectés? Certains riverains affirment que les automobilistes n'ont toujours pas levé le pied. Ils estiment que la mesure n'est pas suffisamment contrôlée. On va finir sur le podium. L'optimisme des supporters de l'OL. Plus d'un millier de fans ont assisté aujourd'hui à l'entraînement qui était ouvert au public 3 jours après la victoire contre Ajaccio. Dans votre Mac de l'été, on vous emmène au jardin botanique de Lyon pour suivre un atelier plantes vertes, les plantes qui souffrent avec la chaleur. Et puis on ira aussi dans le Vercors, à la grotte de Choranche, un bon plan fraîcheur. La météo, nouvelle vague de chaleur cette semaine, vous le savez, c'est la quatrième depuis le début de l'été. Il fera 34 degrés demain après-midi à Lyon. Une image vaut parfois mieux qu'un long discours. Regardez cette photo de l'Iseron, la rivière complètement à sec à hauteur de Sainte-Foy. Photo publiée par le site Lyon Météo. Conséquence évidemment de la sécheresse. La nouvelle vague de chaleur cette semaine ne va rien arranger. Reportage à Craponne avec Lucie Nolorgue. On est dans le lit de l'Iseron là. Et on risque pas de se mouiller les pieds. Dans le lit de la rivière, presque à sec, la Fédération de pêche a réussi à sauver plusieurs centaines de poissons déposés en amont où le niveau de l'eau est plus élevé. On a sorti 30-40 poissons de ce petit trou là, de cette petite poche d'eau. On en a encore presque autant. Et malheureusement, on ne peut pas faire ça sans arrêt et ceux-là sont condamnés. Ici, le niveau de l'eau a baissé à vue d'œil ces dernières semaines. Ce pêcheur pense même que des pompages sauvages ont lieu sur la rivière. L'aval immédiat d'Iseron, il y a encore 2 litres, 2 litres 3, 2 litres et demi secondes de débit. C'est zéro, mais n'empêche que ça permet la survie de la rivière. Et quand on arrive 2 km plus bas, il n'y a plus rien qui coule. Donc cette eau, elle disparaît bien quelque part. C'est ce qu'on cherche à prouver. C'est ce qu'on cherche à trouver et à prouver. Et ce n'est pas le plus facile. Au-delà des poissons, tout un écosystème est menacé car dépendant de la rivière, libellules, grenouilles, oiseaux, chauves-souris, tous souffrent de ces épisodes de sécheresse de plus en plus longs. Le phénomène il est cumulatif, dans le sens où plus on commence tôt, plus les impacts seront désastreux. La biodiversité, elle peut, entre guillemets, dans la mesure du possible, amortir une sécheresse, si on est sur un instant bref, mais plus la sécheresse est amenée à s'étaler sur une période de temps longue, plus les impacts seront importants. Cette année, certaines parties de l'Iseron étaient complètement à sec dès le mois de mai, une situation que les riverains constatent habituellement à la fin de l'été. Et face à la sécheresse, certains font appel à un sourcier pour tenter de trouver de l'eau. Même si la méthode n'est pas prouvée scientifiquement, parfois ça marche. Reportage à Bagnoles dans le Rhône, Jordan Musica avec Damien Charton. Concentré, Emmanuel Nourdin arpente ce jardin. Quand soudain... Alors il s'est passé que je suis à l'axe médian d'une circulation d'eau. Il vient de sentir sous ses pieds une source d'eau à 50 mètres de profondeur grâce à cette baguette. Là, je suis à l'axe de la veine qu'on a trouvée. Et quand je ressors du champ magnétique, mes baguettes s'ouvrent. Emmanuel Nourdin est sourcier, un métier ancestral qui consiste à chercher des points d'eau souterrains grâce aux variations du champ magnétique terrestre. C'est pas un don, c'est une sensibilité. Voilà, c'est une sensibilité mais qui se travaille et qui se travaille encore. Quand on me demande si je suis sûr, je dirais je suis sûr quand je verrai l'eau sortir du tube. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il s'est mis en quête pour l'un de ses clients, ce pépiniériste. Grâce à lui, ce professionnel a pu réaliser un nouveau forage essentiel en ce moment pour arroser ses plantes. En pleine saison actuellement, avec ces fortes chaleurs-là, on arrose sur le point de vente au moins 12 heures par jour. Donc avec toutes nos productions qui sont en place, où là, ils ont aussi besoin d'eau pour pouvoir se développer, c'était impossible de pouvoir... continuer à arroser avec une seule pompe, un seul forage. Au total, Benoît a dépensé 15 000 euros pour pallier le manque d'eau grâce à cette installation.
Les pompiers du Rhône, à nouveau mobilisés sur le front des incendies. 58 pompiers rhodaniens et 16 engins ont été envoyés chez nos voisins en Isère, à Vorep, près de Grenoble, pour combattre les flammes qui ravagent une montagne. Plus près de chez nous, deux incendies se sont déclenchés aujourd'hui sur les bords de l'autoroute A6, près de Belleville. Ça a provoqué des ralentissements. Quelques habitations ont même dû être évacuées avant que le feu ne soit finalement maîtrisé. La chaleur qui provoque aussi des coupures d'électricité. Plusieurs communes de la métropole lyonnaise subissent depuis le début de l'été des coupures. Bonsoir Arthur. Bonsoir Léo. Est-ce qu'il faut craindre avec cette chaleur à nouveau cette semaine de nouvelles coupures de courant ? Eh bien c'est possible, à chaque vague de chaleur et donc encore une fois cette semaine, certains câbles enfouis sous terre atteignent des températures trop élevées, ils chauffent sans jamais refroidir et leur isolant s'abîme, ce qui entraîne des coupures de courant. Écoutez Yves Béal, il est le directeur adjoint d'Enedis. Il y a une accumulation de cette chaleur liée à la canicule. Hein, en fait, si on avait un ou deux jours où il faisait très chaud, on ne rencontrerait pas ce phénomène. C'est bien l'accumulation des jours de chaleur qui va conduire à ce phénomène. Ce qui est compliqué dans ce système-là, on n'est pas sur une intervention avec une problématique de tempête. On n'a pas d'un seul coup un accroissement important de nombre de clients coupés. Par contre, on est sur des phénomènes sporadiques qui vont se déclencher, mais qui se déclenchent, je dirais, et qui restent tout le temps que la canicule dure. Certaines pannes peuvent être rétablies en quelques minutes, d'autres prennent plusieurs heures, puisqu'il faut réparer ces câbles haute tension qui ont lâché. Face à ces incidents qui sont récurrents dans la métropole, dans plusieurs villes, Enedis envisage de changer une partie du réseau électrique en priorisant évidemment les zones qui connaissent des coupures de courant, Léo. Merci beaucoup Arthur pour ces explications. Dans le reste de l'actualité, ça fait 4 mois que la vitesse est désormais limitée à 30 km/h dans les rues de Lyon, vous l'avez remarqué évidemment, mais certains riverains, certains piétons estiment que la nouvelle limitation de vitesse n'est pas respectée faute de contrôle. Selon eux, Jérémy Pain. Un radar qui disparaît, certains se réjouissent, d'autres au contraire s'en inquiètent. Sur le quai Pierre Cise, le retrait du radar fait bondir ce représentant des piétons. Le message qui est envoyé, c'est quand même que ceux qui ont le pouvoir de contrôler, eh bien, baissent la garde. On dit aux automobilistes, qu'ils soient à 4 roues ou à 2 roues, que finalement, il y aura moins de contrôle. Et ce radar qui est situé sur une très grande ligne droite du quai Pierre Cise, eh bien, peu à peu, les gens vont savoir qu'il n'y a plus ce radar. Et sur cette grande ligne droite, on est certain à 100% que le 30 km/h va être bafoué quotidiennement, de jour comme de nuit. La décision est justifiée par les services de la préfecture avec la généralisation du 30 km/h dans la grande majorité des rues lyonnaises. Sauf caractère accidentogène avéré, les radars n'ont pas vocation à être implantés sur des axes à 30 km/h, s'agissant déjà d'une mesure destinée à renforcer la sécurité routière des piétons et mode doux notamment. Aujourd'hui, aucun radar ne flash en dessous des 50 km/h. Seuls des contrôles routiers peuvent être menés, insuffisants pour certains riverains. Cette vitesse qui est limitée à 30 km/h, on a bien peur que cette décision courageuse, souhaitable, qui est là et dont on se félicite, on a bien peur que finalement, sur le terrain, elle ne soit pas appliquée dans énormément de cas, énormément de moments. Dernièrement, des habitants du quartier Charmette, dans le 6e arrondissement, ont demandé des actions contre la vitesse des automobilistes et la recrudescence d'accidents sous leurs fenêtres. Faire garder son chien ou son chat pendant qu'on est en vacances ou alors qu'on est au travail, eh bien c'est possible. Ça s'appelle le pet sitting. C'est un concept qui cartonne. Les demandes explosent en particulier pendant l'été. Reportage à Lyon de Lauriane Pellao. C'est un rendez-vous que Pralus attend avec impatience. Chaque jour, Pauline, pet-sitter, vient le retrouver pour sa balade de mi-journée. Et pour le bulldog anglais, pas question d'aller trop vite. C'est un bulldog anglais qui est plutôt pato, mais qui aime bien les autres chiens. Il a son petit caractère, donc s'il ne veut pas marcher, il va se coucher, il ne va plus bouger, donc là c'est l'heure de rentrer. 30 minutes de promenade, jeux, caresses et lavage de coussinets. Un moment de compagnie pour le chien qui ne voit pas sa maîtresse durant la journée. Ça permet à mon chien le midi, quand moi je travaille, de pouvoir sortir et d'aller se balader, quoi. Donc je pense que pour lui c'est bien. À Lyon, de plus en plus de maîtres font appel à des pet-sitters, notamment durant l'été. En ce moment, Pauline s'occupe de 15 animaux par jour. C'est presque 2 fois plus que durant le reste de l'année. Ouais, c'est une demande qui explose d'année en année. Là, je vois, ça fait 3 ans que j'ai commencé et je suis complète pratiquement tout le temps sur les grandes vacances pour les gardes de chats.
Et sur l'année, du lundi au vendredi, j'ai presque plus de place pour les promenades canines. Et si Pauline a un planning chargé, c'est parce que sa présence rassure. Chaque jour, les propriétaires ont le droit à un cliché de leur compagnon et un petit tour de leur logement. C'est un métier qui est assez diversifié en fait. C'est voir que tout va bien, voir qu'il n'y a pas eu de dégâts, par exemple avec des orages qu'on a souvent l'été. C'est arroser les plantes, c'est faire de la relève de courrier quand les gens partent longtemps. Voilà, c'est un tout pour s'assurer que son appartement et son animal aillent bien. Des visites qui ont tout de même un coût, comptez 15 euros les 30 minutes. Et si cela ne suffit pas aux chiens fougueux, il existe également des classes vertes autour de Lyon les lundis et jeudis. Le football, près de 1200 spectateurs étaient présents ce lundi pour l'entraînement de l'OL qui était ouvert au public après la victoire face à Ajaccio en ouverture du championnat. Des supporters lyonnais confiants pour la suite, écoutez. Je pense qu'ils ont fait une bonne saison, ils n'ont qu'un match à jouer dans la semaine. Un effectif qui est plutôt très fourni cette année, un mercato qui a été super. Je les vois sur le podium facilement. S'ils sont bien investis, s'ils sont sérieux, il y a de quoi faire une bonne saison. En plus, le calendrier, le début a l'air assez facile, jouable on va dire. Et il ne faut pas perdre de points comme on l'a fait l'an passé. Je pense qu'on a bien parti avec le retour de la Casette et tout, mais faire attention quand même aux grosses équipes comme le PSG. On espère vraiment qu'ils vont faire du beau football. Après, il y a des bons joueurs et on compte sur la Casette, son retour. Et le retour de la Casette et la première victoire de l'OL, on en reparle dans quelques minutes dans Cop Gone, votre émission sur BFM Lyon.